Thank you very much for joining us again. We go to the next discussion, and we have a fascinating, very interesting woman with us today, Clara Gaymard. She was a longtime CEO of GE France. She's a serial board member of several companies in France, international companies as well, Bouygues, Danone, LVMH as well. She's very experienced. She knows business at its core, and she decided she wants to do yet another adventure, and she wants to do a little bit more than being on boards of multiple companies, and that's what we're going to talk about in a minute as well. Her initiative and her organization, which is very interesting because it goes into the topics, into the questions that we are discussing here on the panel. So please welcome with a very warm and loud applause, Clara Gaymard, s'il vous plaît. Here we go. Bonjour, madame. Bonjour. On a décidé, puisque vous parlez tous le français, on pourrait faire ça en anglais ou en français. On a décidé, est-ce le français va pour vous? Is French okay for everyone? I see spectacular hands raising and going up. Comme j'ai dit, vous avez déjà eu une carrière incroyable dans le business, aussi dans le gouvernement avant. Après, vous avez fondé Raise. Vous voulez nous expliquer juste, peut-être en deux mots, trois mots, de quoi il s'agit, parce que c'est une initiative très intéressante. Raise, c'est né d'un cri de colère et d'un cri d'amour. Ça commence déjà bien. avec Gonzague de Binière, Gonzague de Binière est le pape du private equity en France, il connaît très très bien la finance des entreprises. Moi, je dirigeais General Electric à l'époque. J'avais eu une partie de ma carrière dans la fonction publique. Il y avait un article, c'était en 2012, vous savez, on avait un président qui n'aimait pas beaucoup les riches. C'était l'époque du French bashing. Mm-hmm. Et il y a un article de Libération qui, en couverture, avait titré, signé par des gens assez connus, « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Et il se trouve qu'on... À cause de M. Hollande. À cause de la de politique ambiante, raisons, ou en tout cas... Ouais. Voilà. Et donc, on déjeunait ensemble, on s'est regardé, on s'est dit... notre pays nous a tellement donné... Et permettez-moi juste un petit rappel personnel. Moi, je suis à moitié danoise. Ma mère est danoise. Et donc, me sens très culturellement à la fois française et 100% française et 100% danoise. Et je sais que si j'ai pu avoir la vie que j'ai eue, c'est grâce à la France. Parce que moi, j'ai 9 enfants. Enfin, nous avons 9 enfants avec mon mari, Hervé. Et c'est la France qui m'a permis à la fois de ne pas avoir à choisir, de ne pas avoir cette question qu'on me pose tout le temps, comment vous faites avec 9 enfants. Et je dis toujours, mais posez la question à mon mari, parce qu'il est aussi concerné que moi. Et lui aussi, il a une carrière politique. Et je vous aurais posé cette question, mais je la biffe maintenant. Vous bon. Pouvez la biffer. Alors, je veux bien que vous la gardiez, mais à une condition. Je sais ce que vous allez dire, que je pose la même question au prochain homme qui est sur scène. À tous les hommes qui sont sur scène. Il n'y a pas de raison qu'on pose la question qu'aux femmes. Non, vous avez raison. Bon, c'est vrai qu'il y a le temps de la grossesse, mais ça dure quand même que 9 mois. Bon, moi, ça a duré 6 ans et demi, parce que j'en ai eu beaucoup. Mais quand même. Puis bien noté. Quand on est enceinte, on n'est pas malade. A priori, on a le cerveau qui fonctionne. Enfin, voilà, on n'est pas handicapé non plus. Donc, on est tout à fait apte à travailler. Il y a une période de temps, évidemment, qu'on consacre plus à la famille, mais je voudrais terminer cette parenthèse en disant que le jour où les entreprises auront compris que ce qu'on apprend chez soi, à la maison, est tellement utile au travail, parce que quand on apprend à s'occuper des autres, et quand on a des enfants, bah, c'est s'occuper des autres, à comprendre ce qu'ils veulent, à les aider à grandir, à gérer les périodes de crise, et Dieu sait si dans les familles, il y a des deuils, il y a des séparations, il y a des moments difficiles. Si les dirigeants comprenaient que tout ce qu'on apprend chez soi sont des outils extraordinaires pour être de bons managers, on n'aurait plus ce conflit et cette opposition entre la vie personnelle et la vie familiale. Mais je m'éloigne du sujet de Raise. Donc on s'est regardé et on s'est dit, après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre la phrase de Kennedy qui dit
Je me lève le matin, plutôt que de me lever le matin en se demandant ce que le pays peut faire pour moi. C'est une grande spécialité française hein, de toujours demander à l'État qu'est-ce qu'il peut faire pour soi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mon pays ? Et comme Gonzague avait beaucoup fait de philanthropie entrepreneuriale, moi j'avais été aussi pas mal versée dans la philanthropie, plus tournée vers les handicapés grâce à mon père qui est le découvreur de la trisomie 21. On s'est dit, on va faire une déclaration d'amour à la France. Mmh. Alors, on a commencé par écrire un très joli texte qu'on a partagé. On a fait quelques fêtes. Puis, on s'est dit qu'il n'y avait pas de mots d'amour, mais il y avait que des preuves d'amour. Et donc, on s'est dit qu'on allait chacun, tous les deux, quitter notre métier. Moi, à l'époque, je dirigeais General Electric. J'avais a priori un chemin tout tracé, puisque je venais de terminer le deal d'Alstom et on me proposait un job européen très bien payé et tout ça. Mais en fait, ce métier-là ne m'intéressait pas vraiment. Et en plus de ça, je sentais que l'entreprise n'allait pas dans la direction, en tout cas dans les valeurs que j'aimais. Et Gonzague, lui, il avait créé Equistone, qui est une entreprise de private equity qui gérait plus de 7 milliards d'euros et qui était extrêmement successful. Donc on s'est dit, on va quitter nos jobs respectifs et on va créer Raise. Donc on était tous les deux avec nos petits bras. Et l'idée, elle était très simple. C'était de se dire qu'on allait aller voir les grandes réussites françaises, les Total, les Danone, les Bouygues, les Michelin, les EDF, évidemment les grandes banques, les grandes réussites françaises. On allait leur dire, écoutez, on parle toujours du fait que les PME françaises sont trop petites. Mmh. Elles n'ont pas assez de capital patient, long terme, minoritaire, qui les comprennent. Et pour leur aider dans leur croissance et l'internationalisation. Donc on va, grâce à votre argent, investir dans ces PME qui sont indispensables pour vous, pour votre croissance en France, même si vous faites que plus que 5-6% de votre chiffre d'affaires en France. Et nous, l'équipe, Gonzague et moi, à ce moment-là, on va donner 50% de ce fameux carried interest, qui est le bénéfice de l'équipe, à une fondation pour l'entrepreneuriat. Mmh. Et puis, comme on était un peu malin, on leur a dit, mais comme il va falloir attendre quelques années avant qu'on fasse des bénéfices, si vous voulez anticiper notre don, faites-le. Et vous aurez 90%. Vous savez, le système du private equity, c'est assez simple. C'est que quand on cède une participation qu'on a dans une entreprise, en espérant qu'on l'a bien vendue, le bénéfice, 80% du bénéfice va aux actionnaires et 20% va à l'équipe. Et donc, nous, sur ces 20%, on en donne 50%. Mmh. Et donc, ceux qui auront anticipé leur don, ils auront 90%, alors que ceux qui n'auront pas anticipé notre don auront 80% et nous, on donnera les 50%. Donc est-ce que ça veut dire pour vous, c'est plutôt un projet bénévole, c'est plutôt un projet... Mais pas du tout. C'est justement l'idée qui vient de ce premier antagonisme dont je vous parlais en aparté tout à l'heure, ouais. Qui est qu'on était très agacés, Gonzague et moi, parce que vous avez compris que je suis un peu... on est un peu spontanés tous les deux et on fonctionne beaucoup à l'instinct. De voir tout le temps que quand on est riche, on est greedy, on est jugé comme étant des gens qui font de l'argent avec de l'argent, et que quand on veut s'intéresser aux autres, et qu'on faut toujours être pauvre. Mmh. Et donc il faut faire la quête auprès des autres pour faire le bien. Donc on va voir ceux qui ont besoin de se faire pardonner leur péché d'avoir gagné de l'argent, de leur en soutirer un tout petit peu pour faire quelque chose de bien, pour racheter leur péché. Je vois Nicolas qui sourit de ma, de ma formulation. Et nous, on s'est dit, on peut très bien réunir les deux, c'est-à-dire décider dès le départ, dans son modèle économique, de donner 50%. Et c'est tellement plus simple parce que du coup, on n'a plus à y réfléchir. C'est fait et c'est automatique. Et donc, on a développé Raise. Et pour faire court, Raise, aujourd'hui, on s'est développé, bien sûr, dans le private equity. On a levé plus de 400 millions d'euros. On s'est développé dans l'immobilier parce qu'il y a une équipe qui est venue à nous qui nous a dit « Nous aussi, on veut bien donner 50%. » Très bien, ils sont venus. On a levé 500 millions et ils ont déjà investi dans beaucoup d'immeubles, dont des immeubles qui ont un usage social. Ensuite, on a recruté une équipe pour faire du venture. Et là, on vient de lever un fonds d'impact avec la Fondation de France. Alors l'impact, c'est d'investir dans des entreprises qui sont vraiment game changer dans tout ce qui est environnement et social. Si vous voulez, on pourra y revenir. Donc on a un peu plus d'un milliard sous gestion en 5 ans. Ah. Et on a une fondation qui accompagne des entrepreneurs, qui a collecté plus de 28 millions d'euros.
et qui aujourd'hui a reçu plus de 2000 entrepreneuses et entrepreneurs, et on en accompagne 250, parce qu'on veut bien donner notre argent, mais on veut qu'il soit rentable. Pas pour nous, mais pour l'économie. Mmh. Et donc on sélectionne les projets et les jeunes entrepreneurs comme ceux qu'on a attendus ce matin, qui, un, veulent changer le monde, deux, veulent faire du bien, et trois, ont la capacité d'aller au bout de leurs rêves et une capacité d'exécution. Peut-être et vous reverrez un ou deux d'entre eux, peut-être très volontiers. Chez vous. Mais ce qui est extraordinaire, pardon, je termine juste, comme ça vous aurez pas un panorama complet, c'est que on fait beaucoup d'accompagnement, on demande à nos cadres de grands groupes de les accompagner. On a aujourd'hui 900 jours hommes d'experts qui viennent de Bain, Knight Advisory, Grant Thornton, tous les grands cabinets d'audit qui viennent les accompagner sur des problématiques précises qui sont le recrutement, la trésorerie, enfin tous les problèmes précis et immédiats que peut avoir un entrepreneur à tout moment pour lui éviter des erreurs et gagner du temps dans sa croissance. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, qui nous ravit, c'est que les toutes premières entreprises qu'on a accompagnées, qui on a fait des prêts d'honneur à 100 000 euros, on a fait 50 prêts d'honneur, il y en a 6 qui sont des licornes aujourd'hui. Et elles ont créé 900 emplois l'année dernière. Donc on se dit que là, bien sûr, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux, mais au moins on a eu du flair et on a eu du nez. Quand elles étaient toutes petites, on a trouvé les bonnes et on a accompagné et on les a aidées à grandir plus vite grâce à tout cet écosystème. Et si je suis un peu longue, c'est simplement pour vous dire que ce qu'on a compris et qu'on n'avait pas forcément compris quand on a démarré, c'est que la générosité, c'est un moteur économique. Bien sûr, c'est bien. C'est bien d'aider les autres. C'est éthique, c'est social, c'est moral. Mais encore plus important que ça, c'est un moteur économique. Et je regrette que quand on regarde, quand on parle de générosité, on ne fasse jamais ce calcul-là. Parce que si je suis boulanger, ce que je ne suis pas, mais j'adore ce métier, si je suis boulanger et que j'ai une petite boulangerie et qu'une fois par mois, je vais dans les écoles avec mon équipe pour apprendre à faire du pain et des gâteaux aux enfants et dans des quartiers défavorisés. D'abord, je leur évite de manger des gâteaux mauvais du supermarché, plein de sucre, etc., qui sont mauvais pour leur santé. Je leur apprends à faire des choses qui leur sont essentielles dans la vie parce que c'est important de savoir bien faire à manger. Et je suis bienveillant. Bien sûr, je n'ai pas d'argent, forcément, mais je donne de mon temps, je donne de mon talent. Et nous, ce qu'on a appris, c'est que grâce à cette fondation, on a rencontré des milliers d'entrepreneurs qui, tous les jours, nous ont appris quelque chose sur le monde de demain, sur la façon d'aborder de façon innocente des nouvelles problématiques. Ça nous a rendus beaucoup plus intelligents, beaucoup plus ouverts et on est heureux de voir qu'en 5 ans, on a plus d'un milliard sous gestion. Parce que ça démontre qu'en étant généreux, ben en fait, on a été bien meilleur économiquement. Mais ça, c'est intéressant et fascinant en même temps. Et je veux reprendre ça, parce que c'est presque un peu comme un fil rouge qui nous suit aussi pendant cette conférence. On peut faire du bien et on peut en faire de l'argent aussi en même temps. Quand vous parlez des unicornes maintenant qui ont commencé très petits, je suis sûr qu'il y a un embarras du choix pour vous. La question, comment j'investis ? Dans quoi j'investis ? Vous avez parlé un peu des conditions, peut-être des valeurs qui vous sont importantes. Comment choisissez-vous, en fait ? Est-ce qu'il y a comme un formulaire où vous tickez les boxes ? Qu'est-ce qui vous est important quand vous voyez une entreprise, quand vous voyez un projet ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont absolument nécessaires que vous puissiez investir ? C'est amusant parce que je reprends ce qui a été dit dans le panel précédent. Avec Gonzague, bon, bien sûr, on regarde les comptes, on fait les salaires et tout ça, mais si ça prend 2-3% de notre temps, c'est le maximum. Le reste du temps, c'est du temps qu'on consacre à la rencontre des entrepreneurs dans lesquels on investit, à nos équipes et puis aux rencontres de gens qui peuvent nous nourrir et nous aider à grandir. Je voudrais juste te dire une chose, c'est que un jour, je suis allée au Maroc, puisqu'on a parlé du Maroc, et le Maroc, je vous le dis, c'est une terre, j'ai oublié son prénom, Asma sera d'accord avec moi, c'est une terre qui guérit. Donc si vous êtes malade, allez au Maroc, vous allez être guéri. J'ai une grande amie marocaine qui m'a dit, tu sais Clara, l'argent c'est une énergie.
Et si vous comprenez que l'argent, c'est juste une énergie que vous transmettez, vous vous dites, à quoi j'utilise cet argent ? À laquelle meilleure énergie je vais la consacrer ? Et du coup, ça change complètement votre rapport à l'argent. Parce que quand vous en avez, vous ne vous sentez pas coupable, puisque ça vous donne de l'énergie que vous pouvez transmettre à quelqu'un d'autre. Et quand vous n'en avez pas, bah, vous allez aller transmettre votre propre énergie et demander à quelqu'un qui a cet argent, qui est une énergie, pour cumuler les énergies et arriver à faire quelque chose. Alors, comment on investit ? C'est très simple. On investit toujours sur une personne, sur une équipe. Et quand on regarde une entreprise, la première chose qui compte, s'il y a un business model fantastique et qu'il y a une équipe qui n'est pas top, on n'investira pas. Si la chimie doit jouer, une équipe formidable et un business qui n'est pas encore vraiment en top, on va investir dans cette équipe parce qu'on sait qu'elle saura transformer le business. Et c'est quoi une équipe top ? C'est un dirigeant et une équipe qui d'abord fonctionne, d'abord qui a une vision, bien sûr, et une stratégie et une capacité d'exécution, bien sûr, mais qui est surtout l'esprit ouvert, l'esprit généreux, ouvert, et une forme d'humilité en se disant « je ne sais pas tout ». Et aujourd'hui, le monde, l'innovation vient d'ailleurs, et donc j'ai besoin d'être à l'écoute des startups, des grands groupes, etc. Et vous voyez tout de suite, quand vous avez une équipe dirigeante qui vient vous présenter son projet, de voir si elle écoute, si elle est... elle consacre du temps à des projets, soit sociaux, soit environnementaux, enfin, si elle a une curiosité sur le monde. Et aujourd'hui, la première qualité d'un dirigeant, c'est sa curiosité et son ouverture d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où les experts et les sachants savent beaucoup de choses, mais pas forcément ce qui est utile pour comprendre demain. Donc, ils restent figés dans leur savoir. Mais ça les aide pas forcément à comprendre demain. Et donc, pour nous, c'est très important d'avoir de se sentir en confiance, parce que nous, on investit toujours de façon minoritaire. Donc, on va faire confiance à l'équipe dirigeante. C'est pas nous qui allons décider de sa stratégie. C'est lui qui va la décider, puisqu'il est majoritaire. Et il va avoir besoin nous, on va essayer de l'aider, évidemment, au maximum. La chance qu'on a, c'est que comme on a 50 actionnaires, dont plus de la moitié du CAC 40, c'est souvent des gens de bon conseil et c'est souvent des gros clients. Donc, on peut aider l'entreprise à grandir. Et que quand on explique qu'on est long terme, puisque nous, on est evergreen, donc on n'est pas un fonds plafonné, et au bout de 6 ans, il faut absolument vendre pour faire tourner le fonds. On peut rester très longtemps s'il faut. On peut réinvestir s'il faut. Et puis qu'on dit que nous, on va donner 50% à des entrepreneurs. En général, comme vous avez aujourd'hui beaucoup d'argent sur le marché, les entrepreneurs, ils aiment mieux que ce soit nous qui soyons actionnaires à leur côté que des fonds qui viennent relever les compteurs et qui viennent aussi massacrer quelquefois on en discutait avec Hubert de Boisredon, qui massacrait la marge future pour pouvoir avoir une rentabilité immédiate et vendre vite et cher. Ce qu'on entend beaucoup, c'est des succès dans ce monde-là. Mais bien sûr, on sait tous qu'il y a aussi des histoires qui sont un peu moins positives. Est-ce que vous vous trompez parfois ? Et si oui, est-ce que quelqu'un vous avait déjà déçu, peut-être, que vous avez pensé après, j'aurais pas dû suivre celui-là, ou j'aurais pas dû investir, parce que on m'a vendu quelque chose de différent. Alors, déçu, non, parce que quand vous vous trompez, oui, bien sûr, on se trompe, on essaye de pas se tromper trop souvent, mais bien sûr, ça arrive de se tromper. On s'est aussi trompé dans les recrutements, quelquefois, et donc, parce que quand même, le recrutement, c'est important, l'équipe, on est 40, et alors, je vous donne le truc, parce que ça marche formidablement. Avec Gonzague, on s'est dit que pour recruter les bonnes personnes, on allait leur demander, quand on les rencontrait et qu'on se disait, tiens, ça peut fitter, on leur demandait d'écrire une lettre d'amour à Reiss. Et alors, c'est génial, la lettre d'amour, parce que, vous savez, on vous demande des lettres de motivation, alors vous allez dire que l'entreprise est formidable et que vous êtes formidable et que vous fitez complètement à l'entreprise. La lettre d'amour, ça vous permet de vous assurer que la raison d'être de l'entreprise répond, est en écho avec votre propre raison d'être.
La raison d'être, la lettre d'amour, d'abord, vous pouvez écrire absolument ce que vous voulez, puisque c'est une lettre d'amour. Donc, il n'y a pas de code. Je ne connais pas de manuel d'écriture d'une lettre d'amour standard, en tout cas dans l'entreprise. Et ça permet aux personnes de dire vraiment pourquoi elles veulent venir, pourquoi elles veulent nous rejoindre. Ça nous permet justement de moins nous tromper sur le recrutement, parce que c'est l'élément clé. Et sur les investissements, je touche du bois, mais pour l'instant, il marche plutôt bien. Mm-hmm. On a distribué, on a fait 15% de retour, de TRI cette année, et on a distribué des gros dividendes à nos actionnaires. Donc, au bout de 5 ans, il n'y a pas beaucoup de fonds d'investissement qui font ça. L'équipe a donné plus de 4 millions d'euros à la fondation, donc elle en est très fière d'avoir pu donner autant d'argent à la fondation, qui du coup peut grandir et se développer. Mais on a eu, dans les prêts d'honneur, on a fait 50 prêts d'honneur, on a eu une faillite. Et franchement, ce n'était pas de leur faute. Je pense que nous, on s'est dit qu'on aurait pu les accompagner autrement, leur éviter le piège dans lequel ils sont tombés. Donc nous aussi, ça nous apprend des choses sur notre accompagnement. Et puis vous connaissez la phrase de Nelson Mandela, qui est le motto de mon associé Gonzague, c'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, et vous avez appris dans ce cas-là. On apprend tous les jours. Mais c'est pas beaucoup, il faut le dire, juste un, c'est incroyable. Ouais, bah, attendez, on aura d'autres. C'est la loi de l'investisseur. On fait des erreurs et on aura des pertes. Mais c'est pas grave, on va apprendre. Il faut simplement que, a priori, les pertes soient largement inférieures au bon choix d'investisseur qu'on a fait. Mais vous savez, on est très, très, très admiratif des entreprises dans lesquelles on investit. Une entrepreneuse ou une entrepreneuse, parce qu'on a aussi investi dans des entreprises dirigées par des femmes. On a 25%, donc on est assez fiers de... C'est pas assez, mais on est assez fiers de ça. C'est un enthousiasme, c'est une énergie, surtout dans les start-up, parce que c'est vraiment les montagnes russes. Un jour, vous êtes... émotionnellement, c'est très difficile d'être un patron, d'être un créateur de start-up. Et nous, on a beaucoup d'admiration pour eux. Puisque vous parlez du rôle de l'entrepreneur, l'entrepreneuse aussi, quand on regarde un peu le motto du summit cette année, ça parle un peu du rôle de l'entrepreneur dans un cadre plus, disons, plus vaste, plus grand, aussi un cadre de société. Où est-ce que vous voyez le rôle et peut-être aussi la responsabilité des hommes, des femmes d'affaires, des entrepreneurs dans les questions qu'on discute, des questions du futur? Est-ce qu'il a un rôle crucial? Est-ce qu'il n'a pas beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper aussi de ces questions-là? Je serais intéressé à voir. Vous savez, de toute façon, un entrepreneur, d'abord, on est entrepreneur d'une entreprise, mais on est surtout entrepreneur de sa vie. Et Ray, j'ai beaucoup aimé, c'est Lico, l'entreprise qui dit que chacun est entrepreneur dans l'entreprise. Je crois que déjà, Ray, tout simplement, se rappeler ça, c'est que chacun d'entre nous, à chaque instant, à l'instant où on se parle, sur les questions que vous me posez et les réponses que je fais, finalement, nous créons l'instant. À chaque minute, à chaque instant, nous sommes créateurs de notre vie. Si après, je file dans ma chambre et je ne discute pas avec les autres, d'aller dans le silence ou d'aller dans la conversation, mais je choisis chaque instant de ma vie. Et donc, on est tous créateurs de sa vie. Et cette liberté-là, je pense que nos sociétés qui ont créé énormément de carcans, énormément de process, énormément de contraintes, nous font oublier cette liberté-là qui est que... hier soir, je discutais avec Anne Sixtine et je disais, mais tu sais, tous les matins, on est nu. On n'est rien. Enfin, on a que on nous. On recommence. Et il n'y a pas de statut social qui vous définisse. Et ce qu'on a accompli, ni ne nous définit, ne nous appartient. Mmh. Et quand on réapprend cette liberté première, qui est que, bien sûr, les gens vous mettent des étiquettes, mais en réalité, vous pouvez recommencer tous les matins, et que ça vous donne cette liberté fondamentale qu'il faut redonner aux entrepreneurs. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Raise, c'est que quand on rencontre des entrepreneurs, en fait, on leur donne la liberté de croire à leurs rêves, parce qu'ils vivent avec des contraintes. On va leur donner, bien sûr, un peu d'argent, on va leur donner de l'accompagnement. Mais le fait que nous, on s'intéresse à eux, ils se disent... Ça leur donne, souvent ils nous disent ça, ça nous donne confiance en nous,
parce que vous croyez en nous, donc on va balayer les montagnes, on va escalader les dresses, parce que vous nous faites confiance. Donc la confiance qu'on donne à ces salariés ou qu'on donne aux entrepreneurs, c'est un formidable moteur pour eux, pour se dire « je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir aller plus loin ». Il y a une chose très importante que je voudrais dire, parce qu'elle a été un tout petit peu abordée tout à l'heure, et pour le monde d'aujourd'hui, elle est essentielle. Alors pour revenir à votre question sur les entrepreneurs, oui, les entrepreneurs sont clés, parce que de toute façon, si on veut créer de l'activité économique, ça passe par l'entreprise. Hein. Je connais personne d'autre qui crée des emplois et qui crée de l'activité que l'entreprise. Hein. Mais ça, c'est le béaba de la vie en société. Ça peut être des entreprises qui ne gagnent pas d'argent, hein. Ça peut être des associations, etc. Mais il y a au départ une activité qu'on fait émerger. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que l'ignorance et l'innocence sont aujourd'hui les maîtres du jeu. Si je prends des exemples qui sont connus planétairement, le créateur d'Uber, il n'a jamais conduit un taxi, ni possédé de taxi. Les créateurs d'Airbnb, ils n'ont jamais eu de chambre d'hôtel, ils n'ont jamais managé des femmes de chambre, et ils n'ont jamais fait d'immobilier. Mano, qui est une des startups qu'on a accompagnées au départ, qui est dans le bricolage, Philippe de Chanville, le créateur, il n'est pas bricoleur et il ne connaît rien, il n'a jamais été ni chez Bricorama, etc. Et on voit qu'il y a énormément de startups qui naissent simplement, justement, parce qu'ils ont cette innocence et qu'ils ont cette capacité de craquer des modèles qui se sont construits sur, notamment depuis l'après-guerre, avec les outils qu'on avait à l'époque et qui sont où on n'avait pas Internet, où on n'avait pas l'intelligence artificielle, etc. Et donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez un troisième paradoxe, qui est que on va vers plus d'intelligence artificielle, la blockchain, le digital, la robotique, etc., qui fait très peur à certains en se disant ça va détruire des emplois. Et en même temps, on a la préoccupation de l'écologie, le retour à la terre, des gens qui ont fait polytechnique ou qui ont fait des écoles d'ingénieurs qui deviennent menuisiers, qui deviennent boulangers, qui deviennent agriculteurs, qui vont vers la permaculture et qui ont envie de retrouver l'usage de leurs mains. Qui retourne aux racines. Et on peut penser que ces deux mouvements qui vont à l'opposé. Et en réalité, si on y regarde bien, c'est grâce à Internet, c'est grâce au digital, c'est grâce à l'intelligence artificielle que leur talent de leurs mains peut devenir un métier qui est rentable, avec lequel ils peuvent vivre, sans doute avec moins d'argent que s'ils sont cadre dirigeant dans un grand groupe. Mais en fait, ils se rendent compte aussi que cet argent-là, ils n'en avaient pas besoin, sauf pour remplir leur placard. Et l'éducation spirituelle qu'on a pu recevoir, même Alain Souchon le chante depuis longtemps, le bonheur n'est pas dans nos armoires. Mmh. Je vais tout de suite ouvrir la discussion aussi pour des questions. Juste une dernière question de ma part. Vous avez dit quelque chose d'incroyable. Je l'ai lu en anglais, je crois. Alors je vais essayer de le traduire. You can do it in English if you want to prefer. You once said that, you know, speaking of, I'm not going to ask you as a nine-time mother now, but as a woman, you once said, being a woman or being a man, you always have a benefit of the doubt, and being the woman, you always have the benefit of doubt for sure. So that people will be doubting you in any case. Oui. Ce qui me ramène à la question, pour vous, le défi de l'égalité est aussi grand que des autres défis qu'on a, le défi écologique. Qu'est-ce que vous pensez du futur? Qu'est-ce que c'est pour vous le défi le plus important, peut-être aussi dans votre vie de business? Oui. Alors, d'abord, ce que je dis souvent, mais ce n'est pas une boutade, hein, c'est que quand on est un homme, on a le bénéfice du doute, et quand on est une femme, on a la certitude du doute. Ah, c'est ça. Moi, je suis complètement trempée. Et je pense que toutes les femmes qui sont dans la salle pourront en témoigner, c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, on a un projet qui nous tient très à cœur, qu'on a appelé La Plume, on a acheté une maison pour faire à la fois de la permaculture et des séminaires pour entrepreneurs, en disant que si on veut changer le monde, il faut aider les dirigeants à changer, et que la nature peut vous aider à changer
tout simplement pour recomprendre les rythmes du temps, de la vie, et que le vivant est certainement la chose qu'on a le plus oubliée dans nos sociétés qui sont construites sur du béton. Mais oui, l'enjeu de l'égalité homme-femme, pour moi, c'est sans doute l'enjeu clé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté pendant 4 ans de présider le Women's Forum. Mmh. Parce que quand vous savez que vous avez des jeunes femmes qui, quand elles ont leurs règles, ne peuvent plus aller à l'école, que dans des pays comme le Népal ou d'autres, quand elles doivent aller s'isoler pendant une semaine dans une cabane où certaines meurent de froid parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien, quand vous savez que la bonne partie de la moitié de la population mondiale est sous esclavage en réalité, c'est la plus grande injustice qui soit. Et si on ne se réveille pas tous les matins en se disant que nous sommes des femmes privilégiées, on a le droit à la parole, on a le droit à l'éducation, on a droit à devenir nous-mêmes, même si c'est plus difficile que pour les hommes, je le dis encore maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes, parce qu'il faut qu'elles soient parfaites pour qu'elles puissent accéder à quelque chose. Si nous qui sommes dans ces positions-là, on ne clame pas l'absolue nécessité de redonner à la femme sa plénitude tout entière et sa capacité à être et à porter du fruit, et pas simplement des enfants, même si c'est très important, c'est l'injustice majeure de la planète, et tant qu'on ne l'aura pas résolue, on ne résoudra pas les autres injustices, parce que c'est la moitié de la population. Mmh. Donc oui. Oui, s'il vous plaît. Je pourrais en parler très longtemps. Hein, mais... Non, mais c'est très important. Oui, on a une question de Christopher, premier rang, s'il vous plaît. Ah. Do we have the microphone somewhere? Je pouvais poser la question en parlant fort. Merci Clara pour votre témoignage. J'avais juste deux questions. Les entrepreneurs ou entrepreneurs que vous accompagnez, quelles sont leurs qualités humaines et quelle est l'importance de ces qualités humaines? Et la deuxième question, c'est que parmi ces entreprises, start-up, y a-t-il des entreprises qui ont vraiment mis le développement durable ou la responsabilité sociale comme au cœur de leur stratégie pour vraiment être innovants et qui sont vraiment disruptives, pas forcément seulement au niveau technologique, mais aussi au niveau des valeurs que nous défendons ici dans le cadre du Zermatt? Écoutez, votre question, elle est très vaste, donc je vais y répondre par des exemples. Je ne sais pas si vous connaissez Yuka. Yuka, c'est une application que les Français et Françaises connaissent bien. C'est une fille qui s'appelle Julie Chapon qui a eu l'idée de se dire que les gens sont mal nourris, mangent des choses qui sont parfois toxiques. Et donc, elle a fait tout un travail de recherche avec une application assez simple. Vous scannez le code barre du produit que vous voulez acheter et vous voyez tout de suite s'il y a des additifs qui sont mauvais pour la santé, s'il y a trop de sucre, s'il y a trop de sel. Et si le produit est mauvais, elle vous propose des produits alternatifs. Ce qui est très intéressant dans son entreprise, c'est qu'au départ, elle l'a fait et la partie d'information que vous scannez est purement gratuite. Et son business model, c'était de gagner de l'argent en proposant aux gens qui le souhaitaient d'avoir des accompagnements pour savoir comment mieux manger. Et cette petite start-up Yuka est en train de faire plier les grands industriels agroalimentaires parce que quand ils constatent que leurs produits ne se vendent plus, parce qu'il y a des additifs, parce qu'ils disent qu'il y a 25% de sucre et quand vous rachetez le lactose, le glucose, en fait, il y en a 75% et que l'appli vous le dit et donc vous vous dites, en fait, on me fait manger que du sucre. Quand on vous dit que les apports nutritifs sont de 6% sur le produit que vous mangez, bah, vous n'allez plus l'acheter, même si vous pensiez qu'en fait, il était bon pour la santé. Ça fait plier les grandes sociétés agroalimentaires qui se disent, eh ben, je dois changer. Et donc, elles, maintenant, travaillent en partenariat avec eux pour les aider à changer la composition de leurs aliments. L'autre exemple, c'est une start-up qui s'appelle Glowy, mais je pourrais en citer plein, hein, il y en a plein qui me viennent à l'esprit. C'est une jeune femme qui n'était pas ingénieure, mais qui s'est dit, on peut peut-être faire de la lumière différemment, et qui travaille à faire de la lumière avec les algues fluorescentes, en utilisant la biodiversité. Et aujourd'hui, elle arrive à faire de la lumière une semaine dans les vitrines, etc., qui est une lumière totalement biologique, et elle a fait une rupture technologique. Le troisième exemple que je pourrais vous prendre, c'est
Marie Schneegans, 19 ans, qui fait un stage chez UBS, tiens, en Suisse. Et elle est à Zurich. Et puis le premier jour, elle mange avec ses camarades. Et puis après, bon, ben, elle s'ennuie. Et donc, elle en a marre de manger des sandwichs sur le trottoir au moment de la pause. Et donc, elle envoie des mails. Le premier mail, elle l'envoie en prétextant qu'elle a besoin d'un conseil. Et elle déjeune avec un autre collaborateur d'une autre entité. Et elle sort avec un conseil, avec un ami. Et de fil en aiguille, tous les jours, elle envoie un mail. Et elle a fini par déjeuner avec le patron du BS. Et elle a donc décidé, elle s'est rendue compte de l'isolement et de la solitude des gens dans les grands groupes qui, à deux étages de différence, ne se connaissent pas. Et elle a créé Never Eat Alone, et qui est devenue Workwell, et qui est une plateforme, qui est utilisée par beaucoup de grands corporates, où il y a tous les outils de bien-être et de socialisation du salarié réunis dans une seule application. Je pourrais vous en citer plein. Quelles sont les caractéristiques de ces femmes? D'abord, elles ont peur de rien. Les femmes sont moins peureuses que les hommes. Je n'aime pas faire des classifications hommes-femmes, hein, parce que les femmes ne sont pas toutes douces et gentilles, et les hommes n'aiment pas tous jouer au foot et se bagarrer. Voilà. Mais elles sont moins peureuses que les hommes, et surtout, elles adressent le problème d'une façon souvent radicalement différente. C'est-à-dire qu'elles vont toucher... elles vont toucher un besoin vital, qui est un besoin, je veux dire, presque émotionnel ou humain. Et donc, elles retournent la chose. Elles retournent la chose. Je peux vous citer un autre qui est Womentain. C'est une femme qui, avec son conjoint, ont décidé de disrupter complètement le marché des ascenseurs. Qui est complètement... ça peut partir dans tous les secteurs. Alors, beaucoup, beaucoup de projets. Puisque je suis un homme, j'ai presque peur de vous interrompre, mais le temps est presque fini. Mais on voit, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Il y en aura beaucoup plus que vous pouvez peut-être aussi en parler. Non, pas du tout. Mais je veux quand même donner une dernière question. Oui, je vois, premier rang, first round. Let's take this as the last question. As I said, we're all around, we can always ask questions. Go ahead. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Il y a quelque chose qui m'a touché dans ce que vous dites. Vous parlez en fait de disruption, vous parlez de jeunes, plus ou moins jeunes, hommes, femmes qui viennent bousculer un système. Je pense qu'on a besoin de ça, mais ça fait peur, comme vous le dites. Je pense que ça fait peur à beaucoup de groupes qui sont bien installés et pourtant qui, au fond, finalement le veulent. Malheureusement, on peut être pieds et poings liés par un système qui fait que c'est difficile de bouger, on l'a entendu tout à l'heure. Comment voyez-vous, comment est-ce que des générations, peut-être on parle de générations ou différents mondes, est-ce qu'on peut accompagner ces jeunes, ces différents profils à venir bousculer? Est-ce que vous imaginez, comment voyez-vous peut-être un groupe aller aider un jeune à venir le bousculer? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver là? Est-ce que vous avez des clés de comment accompagner un groupe en disant « je vais t'accompagner pour que tu vas te laisser bousculer, pour que tu vas accompagner un jeune à te bousculer, et je t'aide à faire ça ». Comment voyez-vous un défi comme celui-là ? Bien, merci beaucoup. Ça va être difficile de répondre très brièvement. D'abord, les grands groupes le font. Les grands groupes le font. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont investi chez Reiss, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir puiser dans la fondation Reiss Sherpa énormément d'exemples et de savoir-faire. Et puis, ils créent tous des incubateurs, ils créent tous des outils, parce qu'ils savent que l'innovation vient d'ailleurs. Et ils savent aussi qu'ils ne recruteront pas les meilleurs s'ils ne donnent pas un peu plus de liberté et de souffle. C'est compliqué, mais ils y vont et ils savent que c'est une question de survie. Et puis, j'allais dire, c'est entre vos mains. Il y a une chose qui est très importante, c'est que la génération d'aujourd'hui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Faut qu'on parle avec ma fille », qui parle de ces thématiques sur ce qui oppose la génération dite millénium, celle qui a 30 ans au moins, et la nôtre, sur le marché du travail, sur la façon de consommer, sur l'environnement, sur les valeurs, y compris sur les valeurs familiales, sur la démocratie, etc. Y a une chose qui est absolument incroyable dans cette génération, et c'est pour ça qu'elle est ni meilleure ni moins bonne que les autres, mais elle a une responsabilité considérable, c'est que vous avez des outils entre vos mains qu'aucune génération n'a eu avant. Derrière un ordinateur, vous pouvez créer vos communautés, vous pouvez créer votre start-up avec très peu d'argent, vous avez une capacité à agir que nous, on n'avait pas quand on avait 18-20 ans. On était trop dépendants des adultes, des systèmes, des carcans. Vous avez cette capacité de
tout faire voler en éclats et vous en privez pas. Et surtout, continuez. Et nous, on est là non pas pour vous dire ce qu'il faut faire, mais pour vous accompagner. Et j'aimerais bien terminer par cette phrase de Saint-Exupéry qui, je pense, devrait être au cœur de notre quotidien. C'est notre responsabilité qui avons, de nous qui avons un peu de pouvoir, un peu d'influence et peut-être un peu de moyens financiers. Ce n'est pas de construire l'avenir, mais c'est de le permettre. Et de permettre, c'est de vous donner les clés. Quel joli mot final pour une C'est Saint-Exupéry. Hein, voilà. De Saint-Exupéry, pas de Clara Guénard. Mais on va vous remercier beaucoup avec un immense applaudissement. Merci beaucoup, Clara Guénard. Thank you so much.